Bonjour à tous. D'abord, je me présente. Je m'appelle Amanda Mazay. Je suis afghan. Je suis arrivé ici en France, 16 mai 2018. Et ensuite, j'ai fait mes études à Paris Descartes. J'ai envie de faire un court métrage de Qabli Palau, comme notre prof donnait un peu de détails. De faire une vidéo. Et aussi, elle donnait un peu de détails qu'on fait des Qabli Palau ou quelque chose. Et le Qabli Palau, qui c'est un plat chez nous, très célèbre. Mais après, elle m'a demandé de faire un court métrage sur l'autre sujet, le sujet de l'informatique. Aujourd'hui, je vous présente le sujet de l'informatique qui est back-end, front-end et full-stack. La partie back-end, la partie qu'on ne peut pas voir, il y a beaucoup de gens qui travaillent la partie back-end. Au minimum, ils ont maîtrisé un langage de l'informatique. Peut-être c'est Java, C Sharp, C++, Python, etc. Et la partie front-end, c'est la partie qu'on voit toujours sur votre ordinateur ou sur votre portable. Et il y a beaucoup de gens qui appellent ça GUI aussi. Ça veut dire Graphic User Interface. Et après de ça, on a le troisième sujet qui s'appelle Full Stack. Qu'est-ce que c'est Full Stack? Ça, c'est la partie des de, deux ensemble. La partie back-end et front-end. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les sept sujets. Ça s'appelle Full Stack Developer. Ou les personnes qui connectaient le front-end au back-end ensemble avec la base de données, avec les différents types de logiciels ou technologies, ça s'appelle Full Stack Developer. Vous pouvez consulter sur ma chaîne YouTube d'OAGTech pour avoir plus de détails sur les Full Stack Développement. À bientôt, au revoir.